À cette occasion, le chef de l'État a défendu le piratage. On écoute le président. Si on laisse accessible la culture à tout le monde, notamment aux défavorisés, qu'est-ce que ça va faire? Ça va encourager la créativité. Sans les samples de James Brown, on n'aurait jamais eu le hip-hop. DJ, s'il vous plaît, musique, c'est mon fils. On n'aurait pas connu Jedi. Et si la jeunesse UMP avait respecté les droits d'auteur, on n'aurait jamais eu le lip dub. Ah bah ça aurait été dommage. Oui, oui, il y avait un copyright, ils n'avaient pas demandé l'autorisation. Ah, vous saviez pas? Et les inconnus, vous vous souvenez, Neuilly-Passy? Belle commune. Ah bah ils n'avaient pas les droits non plus. Ça leur a coûté plus cher que ça leur a rapporté. Au dans le clip, on voit des noirs, mais ils les avaient amenés avec eux. Hein. Ils sont pas de Neuilly-sur-Seine. Hein. Ah bah n'empêche que c'est devenu un classique. Et alors, ils auraient pas dû le faire? Sous prétexte qu'ils avaient pas les droits? Et Andy Warhol, il s'est pas cassé le cul, il a remixé la Joconde. Et alors? L'art se nourrit de l'art. C'est pas moi, c'est Malraux. J'ai l'impression qu'il y en a qui dorment au fond, là. Si la sécurité pouvait vérifier. Ah, parce qu'il faut le dire, si ça vous emmerde au fond! Bon, vous me prendrez les identités quand même. Bon, là, je perçois Gérard Jugnot dans l'assistance. Il est en colère. Pourtant, on les a chopés, les mecs. Vous savez ce qu'on mis sur Internet? Les brosés numéro 3. Ils ont pris un mois de prison avec sursis. Non, mais franchement, faut être con. Prendre des risques pour une merde pareille. Christian Clavier. C'est mon copain. Il leur a demandé 1 million d'euros. De dommages et intérêts. Les autres du Splendide, ils ont demandé qu'un euro symbolique. Hein, mais lui, il a demandé 1 million d'euros. Bon. Eh ben, il a eu peau de zob. Parce qu'il droit d'auteur. Le droit d'auteur. Bon, vous voulez que j'arrête? Parce que faut le dire, hein. Moi, je reprends le droit d'auteur. Faut dire ce qui est, c'est une imposture. On devrait pouvoir se servir de tout. Comme un peintre se sert d'une couleur. Mais j'aperçois Claude Lelouch là-bas dans l'assistance. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Mais c'est pas à cause du piratage que ces films ne marchent plus. C'est juste qu'ils sont chiants. Mais j'aurais voulu terminer cette petite conférence par le témoignage de Chris Prolls, quelqu'un de tout à fait remarquable. Le téléchargement? Mais je suis complètement pour. Prends-la, ma musique. L'art appartient à tout le monde. Je suis propriétaire. Non, personne n'est propriétaire. Vous avez des questions? Non, bah bon, écoutez, cette petite conférence se termine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à me remercier, et puis je vous donne rendez-vous prochain. Hé, copain! C'était beau, hein, il explique bien. Moi aussi, j'ai pleuré. Quand les universités s'attaquent aux fautes d'orthographe, règles de grammaire ou de conjugaison...